qu'on tient à cœur d'aller le plus loin possible dans cette coupe. C'est un peu notre cerise sur le gâteau, parce qu'en championnat, on n'a pas réussi encore à démontrer ce qu'il fallait. Donc pour l'instant, on reste sur un sans faute en coupe, et puis on doit essayer d'aller plus loin. En plus, on joue devant nos publics. Donc on a le devoir de tout faire pour gagner. Ça reste un match officiel, et que ce soit en championnat ou en coupe, on doit monter sur le terrain comme des guerriers pour gagner ce match. On le prend avec un grand enthousiasme parce que je pense que c'est un peu un match bonus pour nous. On a tout à y gagner. Un résultat positif peut effacer le premier tour décevant qu'on a fait, plus que décevant. Donc c'est sûr qu'on a envie d'avoir un petit peu de joie sur cette fin d'année. Et je pense que le match de Saint-Gall, là, il tombe à pic pour faire quelque chose devant notre public sur ce 8e de finale de Coupe Suisse. Je dirais que c'est une grosse affiche, un 8e de finale de coupe contre Saint-Gall. Je pense que ça va être un bon match de foot avec une bonne ambiance, et j'espère que la fête sera belle, donc il faut venir y participer. La différence, c'est que le match de coupe, il sort un peu de l'ordinaire. C'est que le championnat, vraiment, ça, c'est le quotidien, et la coupe, c'est... Ça nous change un peu les idées, surtout cette année où le championnat c'est difficile au niveau des résultats. Donc je pense qu'on prend ça vraiment comme un match qui nous sort de l'ordinaire, et c'est un match où on n'a rien à perdre, contrairement au championnat où on joue toujours pour faire des points. Là c'est du bonus, quoi. Si on perd, et ben les conséquences ne sont pas trop graves. Si on gagne, c'est que du bonus. Donc voilà, on joue avec beaucoup moins de pression. Je pense qu'il faut continuer sur la lancée de nos deux derniers matchs qu'on a fait en championnat, avec, je pense, un petit peu plus de percussion offensive, car les deux derniers matchs, surtout le dernier, on a manqué un peu de ça, car solide on l'était. Donc si on est aussi à la praille, on va plus vers l'avant, je pense qu'on aura la possibilité de gagner ce match.